Bonjour à toutes et à tous, mes minets et mes minettes. Et bienvenue à vous sur ce nouveau Let's Play. Let's Play qui démarre assez vite parce que l'écran titre n'est pas longtemps à charger. Je vous retrouve sur un nouveau Let's Play sur le tout premier Sonic de la Mega Drive qui se situe sur Master System, si je ne me trompe pas. Alors, ça va être un peu particulier comme Let's Play vu que je vais utiliser une méthode que j'utilisais jamais avant. Parce que c'est un jeu qui ne contient aucun emplacement de sauvegarde. Donc, dès que je finirai un level et que je n'aurai pas perdu trop de vie, enfin, dès que je le sentirai, je m'autoriserai une save state pour sauvegarder un peu dans le jeu. Pour qu'on puisse progresser. Parce que ça voudrait dire que je dois laisser allumer la console pendant tout le temps du Let's Play et c'est pas infaisable mais surtout impensable hein, pour les formats de vidéos. C'est parti. Premier épisode sur évidemment la célèbre île Grimsold qui va pas être difficile au début. Dans mes souvenirs, il y avait un truc ici. Alors, rien de bien compliqué pour le moment. On avance, on tue des mobs, on saute et surtout on court. Pas tomber dans les précipices. J'ai failli me faire avoir par un Buzz Bomber. Et tant d'avoir un peu plus de vitesse que ça, parce que c'est un peu ridicule. On est proche d'avoir une vie, c'est bien ça. J'aurais pu prendre le spécial stage, mais j'ai pas pu. Et donc, save state pour la Grimsold 2 qui est passée. Je fais un petit peu une pause. Save state as. Jeu Mega Drive. Save state. Voilà, comme ça c'est fait. Donc si maintenant je fais ça et que je reviens, que je fais load state, non, ça ne marche pas. Alors ça c'est bien embêtant. Change state slow. Ok, d'accord. Et là maintenant, save state. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça a pas l'air de fonctionner. Save state as. Bah ouais, mais bon. Enregistrer. Ça a pas l'air de fonctionner. Bon, je vous retrouve après. Donc les save state remarchent de nouveau. C'est juste qu'il faudra que je les load à partir. Enfin, j'ai dû une renommée de sauvegarde en fait, si je fais ça. Si je fais ça, ça marchera pas. Donc les save states par slot, ça n'a pas l'air de fonctionner. Par contre, les save states par fichier, oui. Donc bon, on va faire comme ça. Je compte au moins vous faire la première. Le premier niveau qui est Green Hill Zone. Dans cette vidéo. Petit passage un peu délicat. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans le 1, Sonic n'a pas le spin dash, le boost qui permet de, quand il est accroupi,
deux pouvoirs. Pour pouvoir tranquillement jouir d'une vitesse, même, enfin, de prendre un bon départ. Enfin, ici, il faut faire attention, c'est le sans spin dash. Bon, non, j'ai bien envie de récupérer une vie quand même. C'est pas de refus. Ouais, bah, ce sera pas pour tout de suite, hein, visiblement. Ah, ces musiques me rajeunissent pas, franchement. Les heures que j'ai passées sur ce jeu, dans le boss. Ah, petite invincibilité en haut que j'avais oublié, et que je suis tombé dessus quand même. Par le plus grand des hasards. Un petit bouclier. Évidemment, des anneaux, bah sinon on va... Ah, ce qui est intéressant ici, c'est que même si Sonic n'est pas forcément... Enfin, il a pas besoin d'être en boule pour rebondir sur ses ennemis quand il est en mode invincible. C'est pas mal intéressant. Parce que quand il est invincible dans les autres Sonic, bah tout simplement... J'aimerais bien voir la vie là-haut. Ah, attendez, c'est possible. C'est possible, mais voilà. Parce que c'est pas mal d'avoir une vie. Dans les autres Sonic, il traverse les ennemis quand il est invincible. Donc voilà. On va pas se faire avoir par les pics. Je préfère passer là. Hop. Bon, on va passer dessus, tant pis. Est-ce que je ramasse tous les rings? Parce que j'ai pas l'impression que je pourrais avoir une vie supplémentaire grâce à ça. Faudrait que j'en ramasse encore beaucoup plus, la moitié. Oh non, là c'est le piège. Là c'est... les frames d'invincibilité, elles sont pas comptées en fait. Si vous voulez. Ça c'est plutôt embêtant. Pardon. J'ai... Pardon. Mais j'étais en boule là. Bon, au moins on récupère une vie. Justice est faite. Ouais, bah c'est plutôt compliqué au final. On est mort deux fois dans le niveau 1. C'est plutôt gênant. De toute façon, j'ai jamais dépassé le niveau aquatique dans Sonic. Parce que à l'époque, j'avais pas de save state. On va laisser le Buzz Bomber se faire sa vie. Un petit boss. Alors ici, c'était la technique pour le toucher. Boss vraiment pas compliqué dès le début. Par contre, c'est un peu dégueulasse, je me suis fait toucher. J'aurais pu très bien ne pas me faire toucher. Sonic qui avance avec l'animation du... Enfin, quand il pousse. D'accord, bon bah très bien. On va pouvoir se retrouver pour la prochaine fois, pour le prochain épisode. Ouais, les premiers épisodes, ils vont pas être longs, mais suivant le niveau, plus ça deviendra dur. Plus évidemment, ça demandera du temps pour finir le level. Sinon, j'espère que cette première vidéo de ce display vous plaira. J'espère que vous me le direz en commentaire. N'hésitez pas à pousser et à partager ce que vous avez vu en vidéo autour de vous. J'espère pouvoir utiliser les save states de manière normale également, parce que... Enfin, je veux dire,
jamais eu l'habitude de trop utiliser Safe State, mais bon, à mon avis, ça sera assez simple d'accès. Je vous retrouve pour d'autres pour d'autres prochaines vidéos. Ciao ciao mes minous.